Un important dispositif de contrôle routier a été mis en place pour le week-end du 15 août par la police et la gendarmerie dans le cadre d'une opération de sécurité routière. L'alcool et les stupéfiants sont aujourd'hui les principales causes des accidents. Aujourd'hui, nous constatons en fait qu'il n'y a pas nécessairement dans le département de l'Aude d'augmentation du nombre d'accidents, même si on a une légère augmentation au mois de juillet. On constate en revanche une profonde modification sur les causes d'accidents. Et en particulier, nous constatons que dans tous les accidents ayant des morts ou des blessés graves, nous avons une conjonction systématique, je dis bien systématique, d'alcool et de stupéfiants au volant. Nous avons une très forte baisse des accidents en zone de police et une légère baisse en zone de gendarmerie, donc nous avons plutôt des chiffres qui ne sont pas mauvais, mais je le répète, quand même une légère augmentation au mois de juillet depuis le début des vacances. A noter que sur les 19 accidents constatés dans l'Aude en juillet, 9 impliquaient des deux roues.